Cet épisode vous est présenté avec la participation de l'agence de référencement Yakamama. Bonjour à tous et bienvenue dans le Flash Référencement, le podcast qui parle de référencement. Nous sommes en octobre 2015, c'est l'épisode numéro 33, je m'appelle Mathieu Tournade, bienvenue. Aujourd'hui, un épisode un petit peu spécial parce que c'est un condensé des vidéos faites en live hier soir sur l'outil Periscope, en live pendant l'événement du WPMX, événement WordPress dédié tout ce qui touche un petit peu à WordPress et qui a lieu régulièrement sur le Pays Basque à Biarritz hier soir. Donc deux intervenants, moi-même et Cladix, pour parler d'un certain nombre de points intéressants et surtout pour un certain nombre d'exclusivités. Première exclusivité, le nouvel outil de gestion de backlink pour WordPress avec une partie gratuite développée par l'ami 512 Bank. Voilà le plugin dont vous n'allez pas tarder à entendre parler massivement. Ensuite, autre exclusivité, un test SEO réalisé par Cladix concernant l'effet des backlinks en proportion de l'effet du contenu d'un site. Voilà donc les résultats qui ont été dévoilés en exclusivité hier soir. Et dernière exclusivité aussi concernant la réalisation d'un nouveau template révolutionnaire par l'équipe de WP Channel et du WPMX au plus large. Voilà, un aperçu que vous verrez en fin d'épisode. N'hésitez pas à tendre un petit peu l'oreille. Voilà, je m'excuse par avance de la qualité sonore de certaines vidéos. Parfois, on était un petit peu loin de l'écran. Voilà, j'espère pour autant que vous apprécierez. Je vous souhaite un bon épisode. A plus. Salut Rachid Amel. Ah, attention, le voilà. Attention, le voilà. Ah là 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 là, vous l'avez vu, qui c'était? C'est en direct. Voilà, on est chez Cladix. Pour l'instant, c'est le before du W. Ouais. C'est, on peut le dire officiellement, les slides sont terminés. Les slides sont terminés, c'est officiel. On a eu très très chaud parce que voilà, il va falloir qu'on parte parce que sinon on met à la bourre. Voilà, donc je vous appelle du Cladix Headquarter. Voilà le haut lieu le plus sensible, le haut lieu le plus sensible de tout l'internet français. Voilà, donc là on s'apprête à partir sur Biarritz pour faire une petite conférence dédiée aux techniques de référencement avancé. Voilà, où il y aura un certain nombre d'exclus qui devraient être bien sympatoches, à savoir un certain tool fait par un certain 512 Bank, je sais pas, je dis ça comme ça. Voilà, donc ça devrait être un petit peu sympathique, on va essayer de vous réserver des trucs un peu croustillants. On pourra pas vous faire toute la conf sur Periscope parce que normalement c'est uniquement réservé aux abonnés. Mais si vous restez un petit peu connecté, ouais, voilà, il suffit de s'abonner. C'est tout à fait la bonne remarque. Et si jamais vous avez le temps, tout à l'heure, aux alentours de peut-être 19h, quelque chose comme ça, peut-être un petit peu avant, vous aurez peut-être droit à un petit insider top secret. Mais il faut pas trop le dire. Mais tenez-vous au courant, tenez-vous prêt quand même parce qu'on sait jamais. Voilà. Et donc les cons sont prêtes, c'est bon, on est chaud bouillant. Alan, c'est bon, t'es motivé, t'as le stress, c'est bon. Non, il est encore en chaussons. Attends, ça va, je peux regarder encore 30 secondes, chercher quelque chose qui a motivé. Bon, ok, je vais être obligé de meubler. Oh là là, alors attention, là on est dans un truc, je vais être obligé de flouter pour pas vous montrer ce qu'il y a sur les écrans. Là on est vraiment sur plus que de la défense nationale, c'est vraiment quelque chose de ultra top secret. Mais c'est pas grave, on aime quand même. Ah, il est beau son petit bureau qui se lève hein, quand même. Hein. Vous avez pas ça chez vous, hein? Vous avez vu? Un bureau automatique. C'est formidable. Bon, t'as ton truc là, ce jumeau, on dit n'importe quoi. Oh, le petit rhum pour commencer. Allez, un petit Mathusalem. Quelle heure il est? J'ai pas compris. Non, 17h04, c'est bon, on a le temps. C'est à 15h. C'est un petit fond de pirate. On est bon là. Bon, à tout à l'heure. Ouais, c'est ça. On fait des dégustations de rhum et puis. Ah ouais, la vache. Ah ouais, ça va, celui-là est pas mal. Eh ouais, on n'invite pas les copains. Eh bah oui, on n'invite pas les copains. Mais ça y est, vous pouvez venir, c'est jusque là, d'ici un quart d'heure, on n'est plus là. Ah là 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 là, trop dur. Ah là, c'est beau, hein. Ouais, bon, eh ben, à la vôtre. À la vôtre, les amis. Hein, à la course de soir. Attends, je vais essayer de tourner la vidéo. Voilà, bon.
Eh ben, on vous retrouve donc à Biarritz, à l'Estia, d'ici quoi, d'ici une petite heure maintenant. Même pas, dans 3 quarts d'heure. Ouais, dans 3 quarts d'heure. On va essayer d'être en avance pour une fois, ça a changé. Ouais. Salut, bye bye. Alan, tu pirates pas le réseau de... S'il te plaît, de l'Estia. Et voilà, donc là, on est en phase de préchauffage de la conf WPMX. Du rhum. Du pastis. Donc voilà, donc on sait qu'il y en a certains qui sont venus pour pouvoir bouffer, d'autres qui sont venus pour pouvoir boire. Nous, on est venus pour les jolies filles. Voilà, c'est pour ça, on les a amenés. Parce qu'on n'était pas sûr d'en trouver ici, donc on s'est dit on vient avec. Comment ça, on n'était pas sûr? Mais si, non, mais les plus belles, on les a amenés avec nous, attends. Bon, Alan, t'as la pression ou t'as pas la pression? Ah ouais, je suis très stressé. Mais en tout cas, moi je trouve que t'as fait un super effort. Moi je dis la chemise, ça pète grave. Non, mais ça c'est ma femme, c'est pas moi. Ah bon, c'est pas toi? Oh non. Je mets comme ça, c'est un contre-jour. Attention, on a le monsieur numérique du sud de la France. Monsieur numérique, ni plus ni moins. Sud-ouest. Ouais, c'est un peu un badass, mais c'est pour ça qu'on l'aime. Bon, jusqu'ici tout va bien, ça devrait bien se passer, les ordinateurs sont ok, c'est bon, aucun serveur n'est tombé, on va le faire. Très important. Après, pour tout ce qui est trafic en France, bon, Google, ça sera Google, on va pas polémiquer là-dessus. Donc, on va pousser Bing dehors, je te laisse. Oula, je sens que t'es en train de faire un truc derrière. Alors, on va commencer déjà par parler un peu de Google quand même. Ça, c'est assez intéressant à comprendre l'histoire de Google pour mieux comprendre tout ce qui est référencement. Donc désolé, je suis un peu geek sur les bords. J'ai même pensé à mon petit Nil. Là, on verra après. Acheter une petite Guinness. Donc Google, c'est un projet qui est né en 95 et dont le domaine n'était posé qu'en 97. Donc c'est relativement frais quand on compare les années. Exactement, il y a 6597 jours aujourd'hui que Google existe. C'est pas tant que ça. Donc Google était au début... un annuaire de sites qui se trouvait chez, c'était, comment ça s'appelait, merde, je sais pas le nom, Stanford. Hein? Stanford. Oui, Stanford, voilà, merci, qui était chez Stanford sur leur propre serveur. En 97, le 15 septembre 97, donc ils ont sorti Google.com, qui est devenu un annuaire donc, généraliste, où tout le monde pouvait consulter. Les deux étudiants ont ajouté manuellement les sites dans Google. Au fur et à mesure du temps, ils ont vu que le web grandissait, ils ont voulu automatiser. Et donc, les versions ont changé de Google. Ils ont commencé à passer d'un annuaire à un annuaire où les personnes qui possédaient des sites pouvaient soumettre leur site à Google et on apparaissait directement dans les réponses de Google. Comme d'habitude, il y a les méchants black hats, n'est-ce pas, Neil, qui ont commencé à abuser. Et puis, du coup, ils ont été obligés de trouver d'autres solutions. Au lieu de permettre les gens de soumettre, ils ont commencé à crawler le web. Donc, ils ont des robots qui sont baladés à gauche à droite et qui récupéraient donc le... tous les sites intéressants en se basant sur l'URL et en se basant que sur les méta à cette époque-là. C'était à l'époque des méta keywords et compagnie. Le problème, bien sûr, il y en a qui ont abusé, comme d'habitude, encore. Et du coup, les méta n'ont plus été pris en compte par Google. Au jour d'aujourd'hui, même une metadesk ou une meta title, contrairement à ce qu'on croit, en termes de référencement pur SEO, ça ne sert à rien. Ça va servir sur la partie marketing. C'est-à-dire que c'est ce qui va générer votre snippet sur Google, qui va donner aux gens envie de cliquer. C'est le texte qui va vous vendre votre site. Mais ce n'est pas parce que vous avez blindé de mots-clés que votre snippet que les gens vont revenir sur votre site ou vont trouver votre site. C'est vraiment pour déclencher l'action de venir sur votre site, vous visez ça, sur le snippet. Rien d'autre. Voir si vous n'avez pas du tout envie d'écrire, vous le laissez vivre. Donc le title ne sert plus en SEO? Non. Franchement, je viendrai un peu plus loin pour le prouver. Année après année, non, description ne sert plus à rien. Maintenant, dans la plupart des messages, ça sert. Je vais mettre les keywords, ça marche. Ah ouais. On peut le souvenir. C'est ça, les keywords. Regarde, la barre, elle est revenue avec. Après 20 heures, elle est revenue. Peut-être que les keywords, ils vont revenir. Moi, je veux. Je vais des liens qui partent et qui reviennent. Chez Google. Mais. Moi, je suis admettant qu'ils reviennent. Parce que le problème, c'est que Google va évoluer parce que c'est. Toute l'histoire va se monter par rapport à ce conflit. Black hat contre white hat. Qu'est-ce que le black hat et le white hat? Alors le white hat, c'est le gentil là qui est en bas, soumis aux règles de Google, qui respecte à la lettre, voilà, avec cette Guinness. Tu vois, t'es obligé de te payer un bac à la fin. Donc il va respecter toutes les au maximum, parce qu'il ne peut pas, même la meilleure volonté du monde, on ne peut pas respecter 100% des guidelines de Google.
qui, en gros, dit, Google dit qu'il ne faut rien faire qui puisse influencer leur algorithme. Donc, ce qui inclut que, par défaut, à partir du moment qu'on fait ne serait-ce qu'un lien vers son site, on respecte déjà même plus les guidelines de Google. Déjà à ce moment-là. Dès qu'on commence à optimiser les keywords, on ne respecte plus puisqu'on modifie la manière d'apprécier le site aux yeux de Google. Non, c'est pas vrai, tu m'empêches. Les guidelines sont très claires. Ils demandent de ne pas faire de lien, de ne pas optimiser le contenu pour de viser que l'utilisateur, ne pas se couper du moteur de recherche. Ouais, mais cette pensée-là, c'est pas du SEO, c'est. Oui. 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 Enfin, White Hat, c'est pas. On reste à la maison et on prie. Ah, oh, quand même, hein. Vous n'êtes pas obligé de prier, mais vous aussi. Une petite bougie d'allumée. Voilà. Les Black Hat, eux, c'est les petites bêtes noires qui, eux, vont s'amuser à essayer de trouver les failles dans Google. Trouver quels sont les critères qui vont influencer l'algorithme de Google. Et du coup, vont l'exploiter. Et comme d'habitude, dès qu'une technique est trouvée et qu'elle est publiée, tout le monde va l'utiliser. À partir du moment que c'est utilisé, Google va automatiquement s'arrêter d'utiliser ce critère-là pour renforcer le site. Donc c'est pour ça que les méta ont disparu tranquillement de Google. À cause des Black Hat. C'est pour ça qu'après, il y a eu les. Vous avez dû voir à un moment donné les photos, les authorship qui apparaissaient dans Google. Quand il suffisait de mettre des jolies nanettes sexy, on avait de beaux taux de clics, c'était bien, c'était abusé, ça a duré 6 mois, même pas, et ça a disparu. Bon, voilà. Le Black Hat, en fait, a tellement exploité les algorithmes et les failles que du coup, a rendu Google intelligent, puisqu'il était toujours obligé d'aller plus loin. Donc après, les méta, il a été analysé le contenu. Le problème, c'est que là, après, il y a eu les abus des gens qui écrivaient des textes noir sur noir, plein de mots-clés. Il a commencé, du coup, à prendre en compte les liens des sites externes. Là, les gens ont commencé à abuser avec des liens footer partout, du charcutier qui faisait un lien vers le boucher, qui faisait un lien vers le garagiste, qui n'avait aucun rapport en termes de thématique. Donc, du coup, ils ont commencé à prendre en compte tout ce qui est thématique des liens d'origine et donc leur indice de confiance. Donc, il a existé à un moment donné ce qu'on appelle le PageRank, qui est une note, une indice de confiance que vous donnez Google, qui n'a pas été remis à jour depuis janvier 2013 sur une version, novembre 2012 sur d'autres. Mais bon, sur le site, c'est dans cette période-là que s'est arrêté le PageRank, qui donnait des indices donc, de confiance du site. Beaucoup d'agences se basent encore sur cet indice-là, à complètement éviter. Parce que beaucoup de sites sont restés avec des PageRank, par exemple 7 ou 8, parce que c'est une note qui va de 1 à 9. 9, on va dire, admettons, ça va être Google, HP, Microsoft, etc. 0, pardon, j'ai mis le 0, c'est le site de base. 1, ainsi de suite, va monter. Un orange, un fruit, ça va être dans les autours de 7, 8, dans ces eaux-là. Bon. Et le problème de ces PageRank-là, c'est qu'ils sont restés avec leurs notes de l'époque. Mais, entre-temps, ils ont peut-être eu un petit pingouin ou un panda, les updates de Google. Il faut qu'ils soient sanctionnés. Et donc, pour Google, c'est l'idéal. C'est-à-dire qu'ils peuvent voir maintenant tous ceux qui s'adressent à tous les sites qui ont fort PageRank, mais qui sont sanctionnés. Donc du coup, c'est tout de suite qu'un site essaie de se référencer, puisqu'il attaque, il essaie de mettre des liens que sur des sites qui ont des PR7 ou des bonnes notes de confiance, mais ce ne sont que des sites sanctionnés. Donc c'est un idéal, c'est un peu la... On appelle ça la... Mirror's Alouette, attends. Le miroir aux alouettes. Miroir aux alouettes, voilà. C'est exactement ça que Google offre avec le PageRank. C'est, au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment pour se faire sanctionner, il faut aller dedans. Quoi. C'est donc Google a évolué, et donc au jour d'aujourd'hui, maintenant, il se fie au contenu, il se fie aux liens, à la thématique des liens, à la confiance des liens derrière, mais surtout, maintenant, il prend bien en compte les utilisateurs. Parce que la plupart des sites ont Analytics, ont des comptes liés à Authorship ou je ne sais quoi, utilisent les Webmaster Tools, et tout ça. Et donc, non seulement qu'avec Analytics, ils peuvent analyser le comportement des gens. Si tous les gens arrivent sur le site, referment le site immédiatement, bon, il est à chier, quoi, le site. Pourquoi le référencer? Ça ne sert à rien, il ne mérite pas sa place dans Google. Donc voilà, cette guerre a eu pour avantage quand même de faire avancer Google, qui va continuer énormément d'avancer, puisque à terme, il ne faut pas oublier que demain, Google va de plus en plus prendre en compte la reconnaissance vocale. Et là, la reconnaissance vocale, ceux qui ont déjà dû essayer sur un iOS ou un Android, se sont rendus compte, quand on pose une question, généralement, ils répondent qu'une seule réponse. Donc là, on a intérêt d'être super précis et de vraiment optimiser son aperçu dans Google et son référencement. Parce que là, il n'y aura même plus le choix d'être en deuxième, troisième ou neuvième, dixième. C'est quand la reconnaissance vocale, à partir du moment où... Donne-moi la pizzeria qui se trouve à Bidart,
il va me sortir la pizza, me référencer à ses yeux, à Google. Comment il va faire ça, c'est, il va se baser donc sur tout ce qu'on a vu là, mais il va pouvoir utiliser d'autres techniques. Vous avez tous un téléphone portable, un smartphone. Généralement, vous êtes connecté à votre Gmail, à votre compte, je sais pas moi, Analytics, enfin un compte, il faut savoir que toutes les API Google sont plus ou moins reliées. Vous êtes connecté à ou vous avez un Android, c'est encore mieux, pour ça vous avez directement, vous vendez vos données. Ils savent, vous allez régulièrement à une pizzeria. Ils savent au bout d'un moment que telle pizzeria a drain tant de pourcents de personnes, qui doit être intéressant, les gens reviennent. Et donc, ça va prendre des nouveaux facteurs qui vont plus tard prendre en compte dans le référencement. L'habitude des gens réels dans leur déplacement, les boutiques, leur mouvement, combien de personnes va aller dans tel garagiste par rapport à tel autre garagiste? Ah, ben tous ceux qui vont dans ce garagiste-là reviennent une fois par an, pas plus, et ils disent des critères de satisfaction. Ils méritent plus sa place et dans le premier quand les gens cherchent un garagiste que l'autre, qu'il n'y a que 10 personnes et que 100% des gens se plaignent. Donc ils vont pouvoir vraiment prendre en compte la position des gens et prendre tout ce que nos données nous donnent. Ce que vous dites là, ça dépend de la taille de la pizzeria ou de la taille du garage, parce qu'obligatoirement, une pizzeria qui a 500 mètres carrés, elle va recevoir beaucoup plus de clients qu'une La régularité, par contre, va jouer. D'accord. La régularité, si les gens reviennent régulièrement. La pizzeria de 500 mètres carrés, si les gens viennent et repartent, c'est comme sur Internet, les gens qui viennent régulièrement sur le site et qui repartent immédiatement, ça sera automatiquement plus un facteur négatif qu'un facteur positif. Les gens qui vont venir régulièrement, mon procès, je... Assistant. Hein. Stagiaire. Sous-stagiaire. C'est pas le stagiaire aujourd'hui, j'ai de la chance. Bon, bah, on peut passer direct à la suite. Hein. Alors, donc, j'avais commencé un peu à aborder le sujet. Un petit clin d'œil à Mathieu, là. Pendant qu'il est en train de jouer à son Tetris, là, au-dessus. Hein. Comme il fâche. Ah, c'est beau, avec l'écharpe bleue. Je crois que j'avais parlé de moi. Ah, c'est beau. Donc, bon, là, ce que je vais vous parler, c'est mon opinion personnelle. Ça n'inclut vraiment que moi. C'est la manière dont je vois le référencement au jour d'aujourd'hui. Le référencement est basé vraiment sur les différents critères. Bon, j'ai commencé à en parler. Donc, déjà, le on-site, le script. Si votre site s'affiche mal, si votre site est en flash, si votre site est blindé d'erreurs de code. Nique une image. Ah non, ça peut passer ça. Je le prouve aussi après. Okay. Tous ces critères-là, s'ils sont bloquants, va déjà vous empêcher le référencement. Il faut savoir que Google, même si c'est une énorme machine, enfin un ensemble de machines derrière, ils accordent qu'un laps de temps et de puissance pour chaque site qui va crawler. Si vous ne lui donnez pas l'information immédiatement, là, il ne va pas s'emmerder. La page, il va revenir, mais dans un an, dans 6 mois, il ne va pas accorder d'importance. Si on lui balance l'info immédiatement, le contenu de la page et tout ça, ce que parlait tout à l'heure mon confrère sur la vitesse du site, il va apprécier, il va d'autant plus aller plus loin parce qu'il va économiser sur ses ressources et il va en profiter pour prendre. Donc la ressource du site est très importante. Le script est en amont est hyper important sur la structure du site. Un WordPress par défaut, je pense que, je ne maîtrise pas assez WordPress pour le dire, mais je pense que ça doit être assez une usine à gaz déjà pour... non ? Je ne suis pas un spécialiste. Le WordPress, tu mets un WordPress défaut, c'est pas déjà une usine à gaz où il faut déjà l'optimiser pour le réduire la vitesse. Non. Oh, ça va de bon. Ça va ? Ouais. Si tu as zéro plugin, zéro contenu, zéro... Oui, c'est aussi. C'est le vide, ça veut dire. C'est le thème qui fait que si tu as zéro WordPress, zéro WordPress, ça va très vite. Après, tu es obligé de t'acheter un serveur, quoi. C'est ça. Maintenant, tu as les systèmes cloud qui sont pas mal optimisés. Nous, c'est ce qu'on a dû faire pour nos sites. On est passé sur des gammes de serveurs nettement plus puissants. On a d'abord. On a dû passer sur une gamme de serveurs nettement plus puissants pour. Et on a senti un effet sur le SEO. Ça a été net. Un serveur qui est ramené à 3-4 secondes d'ouvrir, à s'ouvrir, qui est passé à 1 seconde 5, 2 secondes. Comme ça, quoi. Alors, et à vérifier, mais il y avait une histoire, Amazon avait publié une fois une analyse, où c'était de l'ordre de 1 millième de seconde égale 1 million d'euros, ou je sais pas quoi, qu'ils économisaient. Il y avait une analyse qui était sortie à un moment donné, il y a 2 ans. C'était impressionnant, quoi. C'est pour dire pourquoi la vitesse d'affichage est très très importante. Acheter un bon mutualisé chez 1&1, vous êtes garanti de ne jamais apparaître. Ouais. Par exemple. C'est ça. Après, acheter un gros serveur, un Docker ou je ne sais quoi pour mettre un site, si vous avez 10 visiteurs par mois, ça ne sert à rien non plus. Ça ne sert à rien d'acheter une Ferrari pour aller au centre-ville, quoi. Donc ça, c'est vraiment le centre-ville. Tu veux frimer, c'est ça.
Donc, une fois qu'on a un joli script, qu'on a le beau conteneur bien adapté pour travailler avec Google et communiquer avec Google, on va s'occuper de la partie contenu. Donc, le contenu, c'est quoi? C'est la partie donc, texte et photo, essentiellement. Est-ce que votre texte est intéressant? Est-ce que c'est juste des lignes, 100 mots qui sont sur chaque page? Est-ce qu'il y a de la recherche? Est-ce que les gens prennent le temps de le lire? Est-ce que c'est blindé de fautes? Est-ce que c'est un skyblog? Est-ce que... vidéo. Oui, la vidéo aussi, ça fait partie des médias à prendre en compte. Tout le contenu que vous pouvez mettre est intéressant, mais ça ne sert à rien aussi de mettre du contenu bidon. C'est-à-dire qu'un contenu, juste pour parler de table, on dit le mot table, Google va vite l'analyser, puisque avec l'histoire de l'utilisateur, dans tous les cas, après, il le verra tôt ou tard que c'est un contenu bidon. Donc ça ne sert à rien de chercher un contenu bidon, mais par contre, vous pouvez toujours trouver du contenu sur toutes les thématiques. J'ai fait une expérience, c'était pour qui avec l'histoire des moulons et l'histoire de peut-être. Tu avais fait des textes sur les. Mais en gros, c'était quelqu'un qui m'a mis un défi et en gros, il m'a dit on ne peut pas écrire sur tout. On ne peut pas faire, faire de mise à jour régulière sur les thématiques. Et donc, on est passé sur un mot-clé moulon. Et en fait, j'ai pu lui prouver que, déjà, si on va sur Wikipédia, il y a en moyenne une mise à jour par semaine sur la thématique du moulon. De mise à jour de contenu, de nouveaux éléments, de nouvelles langues, de manière de le dire, de manière de le poser, les différentes structures, les épaisseurs. Les donc, de fait, on pouvait faire des articles toutes les semaines, régulièrement, sur le moulon, et de choses pertinentes et informatives auprès de l'utilisateur. Même sur le sujet qui a l'air le plus inutile, on peut trouver de quoi dire et informatif, c'est quand même important. Donc, maintenant qu'on a un joli script et du contenu qui vont bien, donc le 5 est très bien. Va arriver les liens. Donc là, pour le référencement, c'est bien d'avoir un beau site, mais s'il n'y a pas de route qui arrive au site, il n'y a pas beaucoup de monde qui va venir. Vous avez beau avoir la plus belle boutique du monde, s'il n'y a aucun chemin qui amène, personne ne viendra. Donc là, l'idéal, c'est de multiplier le maximum de liens. Par contre, ça ne se fait pas n'importe comment. Ce n'est pas demain, je veux 10 000 liens qui viennent vers mon site. Là, vous êtes sûr, vous tirez les sonnettes d'alarme, Google voit où vous êtes triché. Ce n'est pas naturel. Il faut rester cohérent. Il faut que ça paraisse naturel. Pour cela, comment ça fonctionne? C'est peut-être, si vous commandez en externe, un lien le premier jour, vous attendez 2-3 jours, un lien le deuxième jour, et vous augmentez en régularité et en quantité de liens par jour, et après vous réduisez le temps. Il faut que ce soit crescendo, que ce soit naturel, il faut que ce soit dans des 10, voilà. Que ce soit cohérent, que, que ça puisse exister. Et surtout, il faut que ce soit sur des sites dont la thématique soit logique avec votre thématique. Tout à l'heure, mon cher critique faisait un lien pour un garagiste, c'est complètement inutile. Même si mon charcutier a un bel indice de confiance, je m'en fiche d'être référencé, que le garagiste soit référencé sur Jean-Bon de Bayonne. Quoi. C'est aucun intérêt. Sauf si c'est local. Encore, il a encore un peu du mal. Ou alors, il faudrait que tout le monde ait rentré leur business card, Google Business Card. Il faudrait que... Ça met beaucoup de conditions en sine qua non en amont et pas sûr qu'il le traite si bien que ça. Encore. C'est pas encore... Comment Google va analyser la cohérence entre les liens, bon, le garagiste et un boulanger, je veux bien, mais comment il va faire? Il faudrait que ça soit des boulangers à boulanger. Boulanger à boulanger, des restaurants qui achètent chez le boulanger. Que ce soit la thématique qui se rapproche, ou de proche ou de loin, mais que ce soit logique. Un restaurant qui va dire j'achète chez ce boulanger-là, c'est cohérent. Une recette, je fais des croque-monsieur avec le pain de ce boulanger-là, c'est cohérent. Le mec qui produit la farine qui dit bah, je fournis ce boulanger là, c'est cohérent. Par contre, pourquoi le boulanger va faire ce contrôle technique Google a répertorié un ensemble de mots. Bah, voilà, pour la camionnette de livraison du pain, mec. Ouais, mais là c'est plus c'est tordu qu'être cohérent. les liens, en fait, tu les crées d'un site vers un autre site Oui, là, on est, là je m'attaque vraiment que la partie offside. À chaque fois, tu recrées des sites pour envoyer, pour faire. C'est dangereux. Sécurité. Le droit d'extraction. Non, l'idéal, c'est de prendre son temps, de contacter par mail tous ses collègues, parce que tous ceux qui ont une activité connaissent d'autres personnes qui sont dans la même activité. Et donc, de faire des liens entre collègues déjà dans la même thématique. Des écoles peuvent faire des liens entre les écoles, par exemple. Tu préconises combien de liens, en fait, peuvent être intéressants pour être là? Il n'y a pas de préco vraiment de base. Par exemple, imagine-toi que tu as un site d'école. Si tu avais un lien qui vient de l'Académie française et puis un lien qui vient de l'université, à la rigueur, ça te suffirait parce que ton site, elle aurait à l'origine deux sites de confiance qui sont énormes, dans la bonne thématique, qui poussent.
Donc en fait, t'as pas énormément de souvenirs. Par contre, en fait, il faut contacter des gens qui sont dans le même domaine. Dans le même domaine, et c'est possible de confiance. Qui n'a pas créé son site la semaine dernière. Quitte à être un peu chié, c'est arriver à trouver des personnes qui sont dans la même thématique, qui ont de l'ancienneté et qui acceptent de poser un lien, soit toi tu en mets un vers eux. C'est ça l'idéal. Parce que le principe, c'est de récupérer un maximum de liens sans le distribuer. Ça, on verra plus tard, c'est ça qu'on appelle le Google Juice, mais bon, on verra ça un peu plus tard. Donc le but, c'est de pouvoir faire donc, tous ces autos de liens. Mais écoute, je t'achète ta farine, ça serait cool, un petit geste, tu me fais un petit lien sur mon site. Un coup de téléphone. Ah ben, tu sponsorises l'équipe locale de foot. Est-ce que sur leur site de foot, ils peuvent faire un lien? T'es vendeur de basket, de sport? Ça, c'est du business, hein. C'est comme la vie de tous les jours. Le web n'exclut pas la réalité. C'est le même monde. Par exemple, Aurélien avec son association, il pourrait parler des gens qui ont assisté à la réunion. Parler, finalement, faire un petit billet sur chaque activité de chaque personne qui était là. Et puis faire un petit lien vers les sites. Ça peut être sympa. Ça ne marcherait pas plus que ça, en fait. Non. Parce que la problématique, j'en parle justement un peu plus tard, sur le Google Juice, justement, j'en parle un peu. C'est que la problématique, c'est que Google va mettre un indice de confiance sur une page qui est séparée entre le contenu et les liens. Plus on multiplie le nombre de liens, plus les points attribués à chaque lien va baisser. Donc, plus tu mets de liens, plus ça arrive à rien. Un annuaire de site, la plupart des annuaires de site d'ailleurs, justement, ont ce problème-là. D'ailleurs, quand vous avez peut-être dû recevoir des mails, inscrivez-vous chez nous pour 50 euros, on vous met sur 10 000 sites annuaires. Ça, vous pouvez le faire à concurrent, mais pas à vous. Voilà. Ça évite absolument parce que vous êtes sûr que c'est que des liens foireux. Vous allez vous retrouver à côté des, je sais pas moi, un truc de vente pour chat, un truc adulte, du Viagra, je sais pas quoi. Bon. Donc ça évite absolument. La question, c'est pour ça que quand on tient un site, on reçoit des. Que les gens posent des commentaires avec vous mettez le lien. C'est ça, c'est du bloc-là. C'est ce qu'on appelle le spamco. Okay. Le spamco, c'est le fait de spammer via les commentaires. On met des liens avec les mots-clés, parce qu'on a recherché dans Google, je ne sais pas moi, on prend Blanger. J'ai recherché Blanger, j'ai trouvé des sites WordPress Blanger avec commentaires. Je vais aller voir, je vais mettre un petit lien. Ça me permet de récupérer un lien de leur site et puis la ramener chez moi en mettant le mot Blanger ou farine ou pain, ou etc. Ça se fait encore ça? Ça se fait encore, ça, de mettre un mot-clé? Ça se fait encore, ça marche encore. Faut une question de modération, on va dire. Ouais. Et si vous faites que ça, ça ne marchera pas, ça c'est sûr. Mais c'est toujours dans le principe où ça reste naturel. C'est-à-dire que si vous avez un profil avec, je ne sais pas moi, 300-400 liens, et puis vous avez 20 liens qui viennent de Spamco, ça passe. Ce n'est pas incohérent. Quelqu'un a pu parler dans un commentaire de votre site? Oui. Google, parler dans un commentaire ou juste mettre un lien, c'est différent. Google a un peu du mal encore à différencier. Ouais, il analyse la partie commentaire, mais il est un peu encore. Okay. Ouais, il en chie un petit peu encore. C'est l'avantage. Mais bon, il faut. Bon. J'espère que ça vous plaît. On va pas vous mettre toute la conférence non plus, il fallait être là. Donc, tout à l'heure, on reprendra avec un petit tool dont on a l'exclusivité, le tool, le nouveau plugin SEO de 512 Banques. C'est intéressant de voir qui va arriver premier dans Google. Alors avant d'aller plus loin, qui prévoit quoi? Quels sont vos pronostics? Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui est le plus important là aux yeux de Google? En lançant en même temps les liens et le contenu. Les liens sémantiques aux yeux de Google. Sémantique. Tiens, teste, la main lui. Sémantique, lève la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14. Okay. Et les liens, lève la main. 1, 2, 3. Ouais, tricheur. Oh, lui, tricheur. Mais les liens? Tu me choques! Donc, j'ai laissé couler un mois et j'ai fait exactement 6 liens avec l'encre référencement BLS et je me suis planté, j'ai fait 7 articles avec référencement sémantique. Mais le dernier article est publié en ce moment pendant qu'on est en train de discuter. Donc, là, le temps s'est écoulé tranquillement, les publications, j'ai fait de combinaisons cohérentes, c'est-à-dire j'ai pas bourriné le premier jour. Et donc, vas-y, lance la suite. Arrive un jour où les courbes apparaissent. Donc, nous avons en rouge référencement sémantique qui est arrivé là, qui était 34e de mémoire, c'est vrai que j'aurais précisé le chiffre. 50. Ah, non. Tu vois après. Non, voilà, top 50. Oui, dans top 50. Donc, en rouge, nous avons à quelle position je suis dans les 50e, on va dire, sur le référencement sémantique. En noir, j'ai apparu le même jour sur. C'était.
cocon sémantique. Voilà, merci. Voilà. Et en orange, référencement BLS. Le même jour, le 22 septembre, le site est apparu sur les trois termes que j'ai travaillé. Par contre, référencement BLS, troisième, dès le début, dès le premier jour. Et jusqu'à aujourd'hui, où j'ai perdu une place, là, on est maintenant quatrième. Les autres, donc le travail continuait tranquillement, hein, derrière en arrière-plan, on va augmenter. La sémantique, on peut dire que globalement, restait stable aussi. Ce qui fait qu'au même nombre d'articles qui parlent de sémantique, par rapport au même nombre de liens qui mettent donc référencement par lien, le lien l'a emporté du coup sur la sémantique. Vas-y, passe sur le truc suivant, on va voir plus en détail. C'est-à-dire que, voilà, sur cocon sémantique, maintenant là, donc c'est hier, j'ai fait la capture, donc il est 36e, il n'y a pas de place. Référencement BLS, 4e. Référencement sémantique, j'ai gagné 2 places, je suis 54e. Donc, effectivement, les liens sont très très importants. On a beau dire, le lien restera le talon d'Achille de Google. L'autorité des liens que tu as fait ? Normal. Du trustload list, en gros, des liens qui n'ont pas d'exception. Si on reste dans la thématique référencement, sur des sites type SEO, Web Agency et compagnie, pour respecter la thématique, mais je n'ai pas cherché de gros trust ou quoi que ce soit. C'est volontairement. Et les articles font entre 300 et 500 mots en moyenne, et ce sont des vrais articles de formation. Comment créer du contenu sémantique, quelle est l'importance de la sémantique. On a vraiment voulu mettre de l'information dessus. C'est des vrais rédacteurs, il n'y a pas de spin, il n'y a pas de quoi que ce soit. La preuve, là on le voit, sur référencement BLS, donc il y a 5 plus 1 lien, regardez bien. Ah, j'ai pas, on le voyait plus haut, et au-dessus il y a 7 articles sur la sémantique. Donc du coup, pour pousser plus loin, ça rebondit sur un autre test. Si vous voulez tester, vous pouvez tester avec le téléphone là actuellement. Si vous tapez le plus petit référencement, je t'avais envoyé un petit cadeau une fois. Ouais, c'était 5 euros. Je me suis amusé. Ou sur ce mot-clé-là, si vous tapez ce mot-clé-là sur le téléphone, vous allez trouver en premier un site qui s'appelle Intesté SEO. Particularité, il n'y a même pas de snippet, ce qui est assez particulier. Parce que volontairement, j'ai bridé au maximum le contenu. Si vous allez sur ce site-là, vous allez voir, le site est composé d'aucun tag HTML. Il a juste un pixel qui s'appelle apx.png. Il n'a aucun contenu. Il est premier sur ce mot-clé-là. Et si vous tapez, donc là c'est le plus petit référencement, et il est premier aussi si vous tapez référencer un pixel. Au total, j'ai fait 15 liens pour être premier sur ces deux encres-là. J'ai fait des tests par rapport à d'autres personnes qui habitent. Donc j'ai essayé Miami, Londres, j'avais en Espagne, à Andorre. Tout le monde, dans le mondial, il est premier. Il s'est positionné premier sur mon clé-là avec un seul pixel dans le code. Il n'y a pas de méta, il n'y a pas de contenu texte, il n'y a pas de body slash body, il n'y a rien. Donc voilà, le talon d'Achille de Google, c'est vraiment le lien. Il y avait Yandex qui disait... Nous, c'est le talon d'Achille, c'est un black hat qui dit ça. Hein. Bah, mais ce n'est pas le talon d'Achille, c'est justement le truc le plus pertinent pour lui. Aller évaluer un site, non pas parce qu'il y a des cris sur le site, mais parce que la communauté hors sociale peut en dire, pour moi, c'est l'idéal. Alors, mais c'est vrai que pour moi, ça fait... Pour les gens qui font du black hat, c'est la faille. Pour revenir sur black hat, oui. Alors, le black hat cherche des algorithmes et surtout a une connotation d'automatisation maximum. C'est-à-dire qu'à partir du moment qu'il trouve une faille, il va automatiser le fonctionnement à l'infini de manière exponentielle. Donc... ça joue un peu sur la qualité du contenu quand même et le référencement, parce que justement, ce que j'ai parlé de Yandex, il y a 7 ans, 8 ans, a dit on va prendre le contre-pied Google, nous à partir de maintenant on prend le référencement, on ne prend plus en compte les liens, on coupe tout. Donc ça a fait beaucoup de bruit dans les réseaux sociaux, Yandex a arrêté complètement les backlinks, ça a été du grand n'importe quoi dans les serps, les sites ont jonglé dans tous les sens. D'un jour sur l'autre, tout changeait, enfin, ainsi de suite. Ça s'est bien fait qu'il y a 2 ans et demi à peu près, Yandex, sans prévenir personne, a repris les liens en compte, parce qu'effectivement, sans liens, ils n'arrivent pas à référencer et à comprendre la valeur entre la pizzeria du coin et la pizzeria, par exemple. Sans liens externes qui lui donnent une manière de quantifier la puissance de l'enseigne, il n'a aucune idée de faire une différence entre deux sites. Donc oui, la réputation, c'est le truc le plus pertinent. C'est pas parce que sur la pizzeria il y a marqué on est la meilleure pizza de Villard
que c'est la meilleure. Si par contre tout le monde en parle, a priori, sauf si c'est des gens qui sont achetés. Voilà. Voilà. Donc ça reste une faille. Et c'est là où certains s'engouffrent, paraît-il. Oui, moi le premier. Les gens qui en parlent ne font pas obligatoirement faire des liens vers ton site. Oui, mais s'il y en a beaucoup qui en parlent. Sur les réseaux sociaux. Alors, pour répondre à ça, si sur un article, il y a par exemple, les meilleures pizzerias de Bidart, c'est pizzeria-bidart.com, même sur le bon cliquage, ça c'est pris en compte par Google, hein, quand même, comme un lien. D'accord. Ça marche aussi. S'il y a le nom de domaine qui est mis dans le texte, mais de manière claire, s'il n'y a pas pizzeria-bidart.com, là il y aura du mal, mais si on marque pizzeria-bidart.com sans le compte cliquable, il arrive à analyser le domaine et le prend en compte comme... Parce qu'on ne peut pas dire qu'à terme, il lira quand même le site pour savoir quand même de quoi ça parle, mais il regardera, la, entre guillemets, la réputation du site pour savoir où il doit le classer. Ouais, mais ça va être, à terme, c'est carrément, il n'y aura plus qu'une réponse. C'est une difficulté. Ça peut être réglé. Ça peut être pipoté, comme sur les réseaux sociaux. Tout peut être pipoté, c'est ça. Mais moi, il y aura toujours cette difficulté. Mais c'est, à mon avis, c'est beaucoup plus intelligent. Exactement. Alors ça, c'était le site, donc, c'est le site Luxe Bougie, donc de Thierry, qui propose des super bougies artisanales. Ah oui, c'est vrai, que j'en achète. Ouais. Dont la senteur gâteau basse, c'est vraiment très chouette. Et donc du coup, nous on va lui proposer en fait en quelques secondes ce soir avec un nouveau produit qu'on a. Nous aussi on va mettre un produit sur le marché du coup, qui sera donc un espèce de thème hybride. Et donc on va s'amuser à un hybride. Ouais, t'expliquer le concept. En quelques secondes, à le remasteriser. Donc, on a fait. Alors, c'est une équipe qui est derrière ce projet. Donc, Michael qui fait le code, moi aussi. Il y a Marina qui est là-bas, qui se cache toujours. Qui fait donc le graphisme du site. Et il y a Lucie, la petite nouvelle dans l'équipe, qui fait la communication. Voilà, de ce soir. Et donc, pour reprendre ce site, donc, qui va parler de bougies et qui est monté un petit peu avec PrestaShop derrière, si je ne me trompe pas. Oui. Voilà. Et donc, on a développé un thème premium qui se base, qui n'utilise pas de code pour l'utilisateur. Donc, c'est 100% vous qui allez le modifier, mais sans connaître du code, uniquement par l'outil de personnalisation de WordPress. Donc là, je ne sais plus comment j'ai bouclé le truc, comme la résolution est merdique. Ouais, j'ai essayé ça. Donc, notre thème, en fait, il se veut le plus simple du monde et le meilleur du monde, évidemment, aussi. Et notre intérêt, c'est que vous disposiez donc du customizer de WordPress, qui est une nouveauté relativement récente, pour gérer l'ensemble des différentes sections de votre page d'accueil et de pouvoir contrôler ce que vous affichez des différents blocs en glisser-déposer depuis donc, cette interface très simplement. Et là où ça va avoir le petit côté hybride que tu me posais la question, c'est que nous allons prendre en charge des plugins premium déjà connus comme des formulaires de contact, des outils de mailing, WooCommerce évidemment, et qui pourront donc venir s'injecter directement là-dedans sous forme de bloc, et vous pourrez aller réinjecter vos contenus sur la page d'accueil notamment, mais on va travailler aussi les autres pages sous peu. Et donc, pas de code, pas de shortcode. On l'a déjà optimisé pour le SEO, mais on va vous le faire passer au post-scan. Ouais. Et où Mathieu l'a déjà. C'est un WordPress. Voilà. Oui, c'est un WordPress. Ah, c'est super optimisé niveau performance, niveau code, donc ça devrait être pas mal. Alors, petite démonstration des possibilités. Donc, j'improvise un petit peu parce que bon, c'est compliqué. Donc voilà, donc par défaut, on avait notre logo, donc l'idée c'est que... Donc l'idée c'est qu'en fait, vous qui êtes utilisateur de WordPress en tant que... Voilà, donc là on arrive dans la partie pour personnaliser, donc on avait le back-office, et vous avez un item personnalisé pour ceux qui... Là, ça fait déjà mis en fait. Ouais, qui ne le connaissaient pas. Et super, ça gâche la surprise. C'est... Ouais, c'est... Et donc en fait, donc vous arrivez sur l'interface qui vous permet de mettre à jour, de moduler comme vous voulez votre site internet sans avoir aucune connaissance. Il n'y a pas de panneau d'options dans le back-office. On a volontairement tout dégagé. Ça peut être à chaque fois, à chaque mise à jour de WordPress, dès qu'il y a des mises à jour, ça casse, il y a des bugs de JS. Donc on a pris tous les retours clients qu'on avait depuis des années et on s'est dit, tout ce qui pose souci, il ne faut pas le mettre. Et il faut essayer de faire un truc qui repose exclusivement sur le côté natif de WordPress. Exactement. Donc le customizer, ils y vont à fond dedans. Il y aura encore plus de modules possibles dans les prochaines versions. Donc nous, on fait le pari d'utiliser uniquement ce qui va être natif et utiliser encore plus à venir pour vous permettre d'avoir un site facilement customisable et évolutif sans se prendre la tête. Quoi. Donc là, ce qu'on a fait, je suis allé chercher un logo. Donc tout simplement,
dans la bibliothèque, j'avais déjà chargé le logo, si je veux bien la charger cette fois-ci. Donc en fait, l'idée de cette présentation, c'est de vous montrer qu'à partir de, du thème de base, en quelques clics de souris, en quelques trucs, vous arrivez à faire un site qui soit personnalisé à votre image. Alors c'est tout un réel. Et que ce soit un site unique. C'est-à-dire que quand vous achetez un thème, il suffit que le concurrent achète le même thème, vous avez le même site. Voilà, donc là, on a mis des réglages pour tout, on peut personnaliser. Alors, on voit l'affichage en temps réel, vous voyez, là, si je change le filtrage de l'opacité, on a mis les boutons, les couleurs. Alors, on a mis d'autres sections dessous, par exemple, là, on a un plugin compatible donc, avec WooCommerce. Donc, l'avantage d'utiliser des blogs sous forme de plugins, c'est que demain, on crée d'autres thèmes, vous pourrez continuer à utiliser ces plugins-là, puisqu'ils seront compatibles avec l'ensemble des thèmes que l'on aura mis à disposition sur le marché. Donc l'idée c'est vraiment que vous alliez choisir ce que vous avez besoin pour votre projet et pas avoir 150 fonctionnalités d'un coup et qui surchargeront forcément en termes de performance le site. Et donc tout est personnalisable. Donc par exemple, alors, je vais retourner dans la section boutique, donc c'est WooCommerce pour le coup. Et donc là, l'arrière-plan, on peut le changer et prévisualiser en temps réel, donc le résultat. Bon alors, il faut faire un truc un peu joli parce qu'on a quand même Marina dans la salle, mais elle n'a pas de. Elle n'écoute pas ça. Donc vous voyez, là, on peut changer la couleur sans grande difficulté, changer le nombre de produits, et ça recharge instantanément. Et quand on est content de sa présentation, on fait publier, le site est live, et il n'y a pas à se casser la tête. Et on a même des compatibilités avec d'autres plugins, comme pour exporter les données d'un thème à un autre, facilement. Donc voilà. Si je vous montre ce que ça donne... Voilà. Tu as mis un super titre vert. Voilà, donc ça marche bien logiquement, c'est allumé, c'est nickel. Voilà, donc jaune de fluo, selon moi, c'est jaune fluo. D'accord. Et donc du coup, on peut gérer les blocs très facilement. Il suffit donc d'aller en activer d'autres. Donc par exemple, si je veux faire une espèce de galerie photo un peu carrousel, et bien j'active ce bloc. Et dessous, voilà, il va se venir se positionner ici avec. Alors c'est compatible responsive HTML5, CSS3, en fait, tout ce qu'il faut. Et donc là, on a une galerie, donc il suffit d'aller choisir, d'aller éditer donc, le panneau d'options galerie dans votre thème. Voilà, donc par exemple, ici, ça s'appelle donc, galerie ou carousel, voilà, comme vous pouvez. Et donc voilà, on peut changer pareil la couleur de fond, on peut aller choisir une catégorie de médias parce que nous on a créé des catégories pour les médias pour choisir facilement un set d'images en fait. Et donc voilà, et parmi les autres fonctionnalités sympas, donc voilà, par exemple, là on a un formulaire de contact qui repose sur le plugin Gravity Form qui est très très utilisé sous WordPress, et donc on l'a pris en charge, il suffit donc la démonstration. D'aller choisir vers la liste déroulante le formulaire que vous créez en back-office et il va s'afficher automatiquement ici. Voilà. Et donc on va supporter des tas d'autres plugins, on va supporter un plugin de météo aussi, VP Cloudy, qui a été créé par un certain Benjamin Lee. Il fête son anniversaire, je crois. Ah ouais. Bon. Et du coup, par exemple, si on l'affiche, voilà, je vais le chercher ici. Voilà, et donc il s'affiche dessous, voilà. Donc, alors là, on avait déjà préconfiguré. Ça marche que pour le morceau. Ouais, voilà. On ne gère pas encore tout. Alors là, par contre, si je prends exemple le bloc, je ne veux pas en bas, mais je le veux en haut, eh bien, il me suffit de le remonter, par exemple, ici. Et automatiquement, le bloc, il a été remonté. Donc, n'importe qui n'a aucune connaissance en programmation, qui n'a pas besoin de triturer son thème, pourra administrer son site simplement, donc sur des cibles. Relativement large, vous pourrez utiliser ces thèmes-là. Et voilà, que dire de plus pour l'instant, je pense que c'est pas mal. On a à peu près 14 blocs natifs dans le thème, et après on a des blocs additionnels pour les plugins. Le tarif prévisionnel ? Ce n'est pas encore communiqué. C'est gratuit. Non, ça ne sera pas gratuit. On a la compatibilité e-commerce dedans, donc dans la partie boutique, on aura vos commerces qui seront supportés visuellement par là. Donc ça sera supporté. Il y aura un peu de module de paiement, tout ça. Ah ben ça c'est hors thème, ça c'est toujours au niveau de gouvernement, je dirais. C'est la partie là. Mais nous on va supporter tout ce qui est WordPress. Là on réfléchit tout en termes de structure, donc ce premier thème là est fait pour être vitrine, corporate, etc. Avec prise en charge au commerce pour ceux qui voudront. Et on ira vers d'autres structures qui iront vers boutique pure avec le design, vers du blog magazine, vers
On a imaginé quoi d'autre? C'est pas grave, il y a le replay. On fera par structure et après c'est les plugins que chacun ira compléter à sa page d'accueil. Voilà, tu as besoin d'un plugin. On va supporter MailPoet par exemple, pour qu'on avait parlé déjà ici dans une session. On va discuter au fond de la salle. À la newsletter. Ben, ceux qui ont besoin de faire ça, eh ben, ils prennent le petit bloc et ça leur fait le petit plugin qui va s'injecter là-dedans. Donc c'est vraiment un site à la demande où on choisit en fonction de ses besoins. Voilà. Et c'est censé sortir ce mois-ci. Demain matin. Ouais. Voilà. Donc, voilà, c'était la petite démonstration du soir. Et si j'active les autres blocs. Ça sort sur quoi? Directement sur le site de WPMX ou ça, Forest, bientôt, faut rester à l'écoute. C'est ça. Donc voilà, il y a d'autres blocs aussi, on a des blocs service, des blocs avec des photos, et voilà. Une question, c'est est-ce qu'il y aura des microdata intégrés? Ouais, item prop, schéma et tout là. Est-ce que tu parles? Ouais, ça gère, ouais. Tu n'as rien aussi? Bien sûr. Voilà, à peu près tout ce qu'on a géré. Et ça passe bien sur mobile aussi. Oui, c'est responsive, c'est basé sur Bootstrap. Ouais. Donc, exclusivité de la soirée aussi, parce qu'on en a encore presque pas évoqué. Ouais, ouais, on a un très très faible copie. Mais... Que d'exclus ce soir. Voilà. Dans la photo, c'est... Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Voilà. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Le premier qui répond juste... La photo? Ouais. Il y a une photo qui va arriver, du coup. Qui se lève et qui... Il faut se lever la main et crier fort ce que c'est. On va même crier direct, hein, entre bras ou son, on va essayer. Attention! Je regarde. Grenadine et crayonnade. Grenadine et crayonnade, non, pas ça. Oh, je suis déçu! Ah, je suis déçu! Ah, je suis déçu! Non. Oh, je suis déçu! Ah là là, ils sont pas. Oh, je suis déçu! Moi, j'ai trouvé tout de suite! Ouais, il a trouvé tout de suite! Hein? Ah, c'est le premier serveur Google. Ouais. Voilà. Yeah. Bravo. Le premier serveur Google officiel. Donc voilà, c'est Iban qui a gagné. Iban, il est membre, c'est bon. Depuis à peu près une heure. C'est bon. Attends, on casse pas le chèque, comme ça on peut relancer le jeu. Et donc, il nous a réservé l'exclusivité d'un plugin qui est développé pour WordPress. Alors quand je dis qu'il a réservé l'exclusivité, c'est-à-dire qu'au moment même que je vous parle, mondial. Il le met, ouais, il le met actuellement en ligne, pendant qu'on en parle exprès pour que personne n'ait vu avant. C'est beau, hein. Le WPMX, il a. Et là, et je te garantis que là, les deux, trois derniers jours, il suait au code. Hein. C'est des bagues, le pauvre, il avait l'impression. Donc, son premier plugin qui sort là, est un plugin pour justement analyser les liens. Donc, comment ça fonctionne? C'est-à-dire que, déjà, on va venir plus tard. Il existe dans deux versions, gratuite et payante. On va déjà parler de la version gratuite. La version gratuite, une fois que vous mettez cette add-on-là, il va vous donner tous les jours les 100 derniers liens qui ont été détectés qui arrivent vers votre site. Il est basé sur la data de Majestic SEO, qui est une data qui est en une référence. On peut dire que relativement sûr. Et qui va vous permettre de voir, au fur et à mesure des jours, tous les liens que vous avez acquis, leur indice de confiance, à la date où vous l'avez acquis, quand est-ce qu'il disparaît, etc. Et surtout dans les thématiques. Par exemple, j'ai un site de cuisine, je dois avoir régulièrement des thématiques dans la couleur de la cuisine qui doit apparaître, et donc ça va permettre de suivre. Ça va permettre de voir l'évolution de des liens que l'on fait vers moi, mais aussi, à terme, là, dans la suite donc, de l'évolution de ce plugin-là, de pouvoir sortir à la volée des sites, des listes de liens spammy. C'est-à-dire que ça va vous dire directement, voilà, ces liens-là, vous devriez les faire désavouer ou les annuler, ou vous arrangez de ne pas les avoir, ça va vous porter défaut. Mais là déjà, au jour d'aujourd'hui, il va vous donner tous les liens, donc tous les jours, 100 par jour, et ça c'est gratuit. Tous les jours, vous pouvez suivre. Donc, très intéressant pour la plupart des gens qui ont un blog, juste un site, un seul site, un WordPress, c'est l'idéal. Et donc, après, il a développé donc, le même module en mode payant, qui s'active directement dessus, hein, par c'est PayPal ou paiement carte bancaire, qui a la particularité donc, de faire ce qu'on vient de dire là, mais en plus d'ajouter ses concurrents et de pouvoir suivre tous les backlinks de ses concurrents en même temps, de voir comment évolue chacun de ses concurrents à raison de 100 liens par jour pour chacun des concurrents. Et par exemple... C'est toujours pas actif. Non, pas encore actif. Non, faut que tu l'envoies. J'envoie un petit espèce. Combien de concurrents? Hein? Combien de concurrents? Là, pour l'instant, il y en a 3 par jour, 3 fois 100 liens par jour. À savoir que c'est des liens basés sur le domaine.
c'est-à-dire que j'en parlais tout à l'heure avec lui au téléphone, une personne qui fait un lien en footer d'un site, même s'il a 1000 pages, il vous compte un seul lien. C'est un seul lien. Il va vous dire la globalité. Il va vous permettre d'identifier. Puis il va vous dire aussi, attention, est-ce que vous êtes spammy, parce qu'en footer, sur les là, et donc, ça va permettre donc de voir votre profil de lien, les gens qui en parlent régulièrement, de voir si votre travail que vous avez fait en termes de linking qui vient de votre site, s'il était justifié, si vous n'êtes pas planté de thématique. Ça va vous protéger de liens toxiques et ça va permettre de trouver les spots de vos concurrents, de comment eux, ils ont fait sur le site. Vous êtes boulanger, vous mettez les 4-5 autres boulangeries dans le secteur, ça va permettre de suivre directement. Donc là, voilà, ça c'est un plugin qui, à mon avis, va être pas mal, qui va permettre, en plus, pour ceux qui consomment du Majestic SEO pour un seul site, mais en gros, Cerver, il m'a dit 66% de moins. François devait venir avec, ce soir, François Goub, il devait venir ce soir, qui est représentant Majestic. Ça ne lui pose pas de problème, il soutient le projet en même temps. Donc voilà. Tu dis qu'on a... Tu as envoyé une photo? Non. Vas-y, fais une photo. Tu le vois qu'on est en train de parler de lui. En tweet. Avec le hashtag. C'est exclusivité, pas encore en tweet, on peut pas en parler tout à l'heure. À partir après le WPMX, on peut en parler de manière publique. À savoir, oui, aussi, un point très important sur ce plugin-là, c'est que, ce qui a beaucoup pris de temps, c'est la mise en système de parrainage. Donc le premier parrain, on s'est arrangé, c'est Aurélien Denis avec le WPMX, oui, que tu saches. Ouais. Tu sais pas, mais ce sera le premier parrain de. Particularité, à chaque fois qu'Aurélien Denis va parrainer quelqu'un, ça va lui coûter 10% moins cher. Mais pour Aurélien Denis aussi. Et vous-même, et ainsi de suite. Et en fait, c'est le fait boule de neige, c'est que chacun peut parrainer quelqu'un d'autre, etc. Et réduire. Donc en gros, vous avez des personnes, vous connaissez des personnes qui l'utilisent, et le plugin revient gratuitement, même avec les concurrents et tout. Ça, c'est pas mal pensé. Oui, c'est vrai que vous pouvez zoomer. Donc, bon, parce qu'après, oui, pour chercher par encre, le nombre qui a utilisé telle ou telle encre, par domaine, par adresse, par thématique. En gros, on va portrier. Ça va vite devenir un must-have. Hein. Et il va permettre aussi l'export en CSV. C'est-à-dire que tous les données, vous pouvez l'exporter en CSV, l'intégrer dans votre Excel, faire votre tri et vous amuser comme vous voulez. Il est déjà prêt, l'export CSV dessus. Là, en tout, il a mis en concurrent majestic.com. C'est marrant. Surtout, c'est beaucoup moins cher que la version web qui est à 100 euros par mois. Elle est à 79$ la première version chez Majestic. C'est pas compatible. Non, je parle de Subserver. Oh. Ah oui, bah oui, mais après Subserver, c'est pour chercher les nouvelles un truc comme ça. Nouvelles encres pour les petits nouveaux keywords. Là, ça c'est pas simple. Bah, tu vas voir les nouveaux keywords de tes concurrents, mais pas sur la vision globale. Là, c'est plus pour cibler vraiment ta thématique. Alors, les réponses de Kevin en live en même temps. Donc pour la partie multisite, c'est pas encore prévu au programme, peut-être plus tard, je pense que c'est une site de boulot. Et pour la sortie, vous travaillez plutôt début de semaine prochaine. Surtout qu'il va développer le multisite du coup. Du coup, il développe le multisite. Oui. Bon ben voilà, ça y est, le WPMX s'achève. J'espère que vous aurez apprécié toutes les nouveautés auxquelles... bah, auquel on a fait face ce soir. Voilà, pas mal d'exclus quand même, hein, des super exclus entre les tests de Cladix avec des super données sur le poids du backlink versus le poids du contenu, le futur tool de 512 banques et le futur template ultra malléable de WP Channel. Voilà, mais j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Salut!